Je parviens à écouler mes articles petit à petit, mais cette année est différente de l'an dernier. Les habits ne sont pas chers par rapport à l'an dernier et puis les gens achètent aussi. Le Ramadan a coïncidé avec une conjoncture économique qui ne dit pas son nom. Les chefs de famille viennent pour les achats. On sent en eux qu'ils n'ont pas d'argent. Ils exigent trop de faire une réduction sur le prix des marchandises. Nous prenons les marchandises avec les grossistes, donc nous cherchons aussi notre intérêt. La vente, c'est petit à petit. Nous sommes venus au marché depuis le matin. Nous ne parvenons pas à acheter, tout est cher. Tous les prix sont uniformes. Nous sommes inquiets si nos enfants n'ont pas de quoi s'habiller. Avant, on prenait les sacs à 3500 francs, voire 4000 francs CFA. Maintenant, nous les prenons chez les grossistes à 5000, voire 6000 francs CFA. On ne bénéficie de rien. On ne parvient pas. Les temps sont durs maintenant. Les chefs de famille ainsi que les mamans sont tous unanimes que les temps sont durs. Les grossistes se plaignent des dédouanements. Alors que nous, les détaillants, nous prenons les articles auprès des grossistes. Si les frais de dédouanement augmentent, nous le ressentons sur le prix des marchandises. Je vends ces sacs à 1500 francs CFA, ceci à 750 francs CFA. Ces chapeaux, je les vends à 500 francs CFA. Il y a aussi des parfums de 300 francs, 750 francs et 1500 francs CFA. Cette année, la foire de l'AED est fuite et lente. J'exhorte la population à sortir pour venir acheter. Cela nous aidera beaucoup, car je suis un jeune diplômé sans emploi.